Il y a un député qui a un certificat dans la main, il a dit Eli, certificat dans la main, il n'y a pas qu'on sait pour faire avec certificat ça. Son route pour la nation, président. Son route. Pendant ce temps, il y a l'autre député qui a un certificat, la police a dit c'est eux qui sont bon président, mais confusion dans le pays. Qui côté vous mener le pays? Nous-mêmes, comme on nouveau bureau qui fait monter là, nous souhaitons prendre compte de ça dans la vie pour travailler sur ça, pour connaître qui mode de gestion vous pouvez le faire, puisque c'est eux qui ont voté la loi ça, qui ont organisé l'élection qui sont faites. Nous avons les trois. Mais ça nous connaît, situation très grave de l'EOA, un paquet de députés qui ont un certificat dans le mail, qui ont fait une conférence, qui tout partout dans la rien, ils n'ont pas compris ça pour faire avec le certificat dans le mail. En tout cas, situation qui a développé là, c'est un grand mot pour dire là-dedans, et président, nous souhaitons qu'on nous tenions compte de la situation qui a développé là, je vous dis, en dedans, payant pour avoir des élections qui sont faites là. Merci beaucoup. Avant de arriver ici, c'est une loi électorale qui t'a voté. Et c'est le Sénat, ça même qui t'a voté la loi. Ça. Je dis, il y a un Sénat qui a voté la loi, ça. Il est encore présent dans le Sénat République. Là. Même loi, ça nous a voté, la communauté internationale a piétiné la loi, ça. Nous ne disons rien dans ça. Nous sommes un moment historique, je dis, par rapport à ce qui a passé dehors là. Peut-être que c'est un attaque qui n'est pas au courant. Il y a une élection qui est faite en pays. Il y a un conseil électoral. Même dans le niveau de connaissance que c'est avoir pour Dieu. Guidel, non même loi électorale, ça, il y a un parti là-dedans qui définit les rejouettes là. Par exemple, on nous prend BCN. BCN, d'après ça, on a la loi, il dit, le BCN a pris une décision, pas qu'il y a l'autre monde qui a attaqué la décision. Même BCN, ça, qui est dans le électoral, il y a un résultat, il y a un vote par le conseil électoral, vote par le président public, le président public a pris l'autre choix qui fait publier dans le moniteur. Et puis, un groupe blanc débarque dans le pays, il dit décision BCN de prendre, il n'est pas bon. Son route pour la nation, président. Et étant donné que le président, ou même qui est président du Sénat, je dis, ou tu es dans votre loi, ça tout, demande au président pour rattraper, pour prendre toute décision nécessaire, pour faire lumière sur ce qui a passé là dans la rue. Il y a un député qui a un certificat dans la main, il a dit Eli, certificat dans la main, il n'y a pas qu'on sait pour faire avec certificat ça. Son route pour la nation, président. Son route. Pendant ce temps, il y a l'autre député qui a un certificat, la police a dit c'est eux qui sont bon président, mais confusion dans le pays. Qui côté vous mener le pays? Nous-mêmes, comme on nouveau bureau qui fait monter là, nous souhaitons prendre compte de ça dans la vie là, pour travailler sur ça, pour connaître qui mode de gestion vous pouvez le faire, puisque c'est eux qui ont voté la loi ça, qui ont organisé l'élection qui sont faites. Nous avons les trois, mais ça nous connaît. Situation très grave de l'EOA, un paquet de députés qui ont un certificat dans le mail, qui ont fait une conférence, qui tout partout dans la rien, ils n'ont pas compris ça pour faire avec le certificat dans le mail. En tout cas, situation qui a développé là, c'est un grand mot pour dire là-dedans, et président, nous souhaitons qu'on nous tenions compte de la situation qui a développé là, je dis, en dedans, payant pour avoir des élections qui sont faites là. Merci beaucoup. Sénateur Edmond, tu es déjà saisi Sénat.
Je crois que le sénateur Moïse vient ressaisir encore, puisque la question du conseil électoral là, eh bien, il y a une déclaration qui est faite sur lui déjà. Vous avez dit dans la même loi, ça, sénateur Moïse, les membres du CEP doivent être au-dessus de tout soupçon. Hein? Et il y a des soupçons dans l'air. Et c'est dans ce sens ça, par déclaration sénateur Bozil là, et par déclaration sénateur Moïse, l'article 207 nous dit, sous réserve que la justice ne soit pas déjà saisie sous des faits et après cause, le Sénat a le droit de contrôler et d'enquêter sur toutes les questions dont il est saisi, faits et actes qui sont de nature à conduire à des sanctions disciplinaires ou pénales, reprochées à ses membres ainsi qu'aux responsables des services publics, par exemple le CEP. Donc en ce sens, Monsieur le Président, nous renouvelons demande noire pour que nous mettions sous pied une commission spéciale d'enquête sur cette affaire du CEP pour que le Sénat, eh bien, qu'a fait travailler en tant que pouvoir. Un véritable impasse parce que c'est lundi, nous déjà pratiquement 2 mai, nous à pratiquement 10 jours de fermeture et première session 49e législature là. D'ailleurs, session qui peut ouvrir parce que ce n'est pas une séance formelle en Assemblée nationale que devra débuter les travaux, que devront débuter les travaux de la 49e législature. Sénat pour qu'on finisse monter bureau lit. Moi, supposé que d'ici après-midi, donc probablement lundi, l'Assemblée nationale l'a fait, qui pour permettre que effectivement nous commencions le travail sous question amendement constitution. Donc, nous prions par date butoir, là, qui c'est 9 mai à minuit. Deuxièmement, ou pas qu'à voter un bagaille sans débat. C'est 48e là, qui a fait proposition, mais 49e, là, l'île pour l'adopter ou bien pour le rejeter. Et nous avons besoin de quelques jours de débat, nous avons besoin de rencontrer. Et des experts en question constitutionnelle. On a besoin de rencontrer tout le monde qui est dans la société civile là, qui peut bailler à vie, ceux qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Et il y a un débat qui a fait là, je vous dis, sur de nouvelles formulations de articles même que nous avons censé mettre nous d'accord sur pour accepter. Donc, sont véritables difficultés, d'autant plus que là, nous avons 79 députés, quand on sait que nous avons besoin de 2/3 de chaque chambre, soit 66 députés au niveau de la Chambre des députés. Ou à 79, donc ou réellement corsé, à la fois par le nombre et par le temps. Ou il n'y a pas commandé pour accepter le résultat préliminaire. Et c'est ça qui fait le résultat préliminaire. C'est parce que le processus de contentieux est beaucoup fin totalement vidé. Donc c'est ça qui fait, encore une fois, moi dit que dans le premier tour d'élection, le résultat préliminaire était juste devant Martelly pour 3000 et quelques voix. En bien, c'est dans le contentieux et contentieux. BCEN a été ordonné. Centre de tabulation rentré de procès-verbaux que l'y estimait qu'il te mettait injustement à côté contre Michel Martelly. Donc, OEA pas qu'à mander nous. En même temps, il dit a pas accompagné nous pour nous faire démocratie. Et puis, je dis, il a demandé nous pour nous violer la loi qui se base démocratie. Il a demandé pour nous pas respecter l'institution qui se base démocratie. Donc, moi-même, je ne comprends pas la démarche là. Et son démarche qui est totalement contraire à l'esprit mission yon dans le pays. Deuxième bagaille m'a dit, nous avons une conjoncture, côté que le débat qui a fait là, son débat qui est éminemment politique. Côté que l'organisation droit monde a fait politique raide dans le pays. Côté que l'organisation société civile, d'ailleurs, dans tout le côté branché, c'est dans l'ambassade américaine qui a une position. Donc, il y a défendu une position patron. Yo. Donc, pas grand rien de faire pays qui a défendu. D'accord? Et c'est même moun sa yon dans le premier tour qui t'a demandé CEPA, justement, après un résultat préliminaire qui t'a baillé. Il t'a demandé CEPA retourner dans le salle de tabulation à recontabiliser deux procès-verbaux que tabulation t'a jugé qui pas correct contre Michel Martelly. Il t'a forcé CEPA comptabiliser en faveur pour l'un. Donc c'est même Mounza aujourd'hui qui a remis en question une décision que BCEN souverainement et compétemment et run. Deuxième bagaille que je me dis, c'est que je suis en opposition. Puisque là, nous sommes dans le domaine politique, et tout le monde connaît que depuis le premier tour d'élection, à qui vitesse, on partit dans la presse là, société civile là en général, parti politique, yo, les ambassades, yo ligué contre unité. Donc, bataille qu'a fait là, c'est une bataille contre unité. Et je vous garantis, si 60 décisions te rendent, c'était contre député unité, il t'a passé tant qu'on l'est à la poste. Donc maintenant, je dis à unité comme structure politique, il n'y a pas qu'à croiser bras pour quitter ça passer comme ça. Et moi-même, ma position,
SLC, si unité sous pression blanc t'as d'accord pour violer, pour forcer CEPA, violer loi électorale là, violer constitution, moi c'est premier député, moi c'est premier membre unité cap quitter unité. Parce que je dis à bataille n'a fait indépendamment de qui candidat qui senti lésé par décision BCIN, non, moi m'ka comprendre yo, à leur place, m'tape fait même bagarre là peut-être pour me défendre droit, mais c'est pour tout le monde reconnaître que BCIN c'est l'instance électorale suprême. C'est comme la cour de cassation pour les matières criminelles et civiles. La cour de cassation dans le pays rend une décision, c'est point barre. Notre haïtien, mais nous sommes en 2000, tu as eu l'élection aux États-Unis entre George Bush et Al Gore. Et je joue aujourd'hui, soit aux États-Unis ou aux Américains, qui est-ce qui a un sentiment que tu as eu l'élection en 2000, l'abdou c'est Al Gore qui a gagné. Mais la cour suprême des États-Unis avait tranché souverainement en faveur de George Bush. Eh bien, c'est ça tout Américain qui a accepté. Donc l'ambassade américaine, je dis, qui a fait le passer pour le porte-parole du peuple américain, moi, du peuple haïtien, m'a dit aux ambassadeurs qu'il représentait le pays, la défense intérêt pays, je n'ai pas de problème à ça. Mais le peuple haïtien a élu ses représentants. C'est Kazekio, c'est Azekio, c'est magistrat, c'est délégué de ville, c'est député, c'est sénateur, c'est président de la République. C'est Mounsao qui a parlé pour le peuple haïtien. Donc lui-même reconnaît le droit pour défendre l'intérêt pays qui vaut là, mais il n'a pas qu'à remplacer vrai porte-parole, vrai représentant peuple haïtien. Représentant peuple haïtien, je dis, il y a au Sénat de la République, il y a la Chambre des députés, il y a dans les mairies, il y a au Palais national. Donc c'est pour le quitter acteur ça, décider sous question haïtienne. Non pas rejeter apport que blanc, que étranger à Cabanon, tout support est bienvenu, mais au fait pour fait. Dans le respect souveraineté grand monde pays d'Haïti, dans le respect la loi et la constitution de la République d'Haïti et dans le respect dignité peuple haïtien à travers élu, à travers institution. Il faut reconnaître que la constitution a été adoptée en deux versions, créole et française. Et la version créole n'est pas une traduction de la version française. La version créole est une version originale, au même titre que la version française. Les deux ont été adoptés et les deux ont la même valeur juridique. Cela s'entend. Mais étant donné qu'il n'y a pas une obligation pour l'Assemblée nationale de voter les lois dans les deux langues, on ne peut pas dire que la déclaration est nulle. La déclaration qui est en français, on ne peut pas dire qu'elle est nulle parce que en votant la déclaration uniquement en français, le corps législatif n'a pas violé la Constitution, n'a pas violé la loi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'on peut traduire la déclaration maintenant en créole? On se pose la question. Est-ce qu'on peut maintenant traduire la déclaration en créole? Ce n'est plus possible. On peut toujours traduire. Mais la déclaration n'aura pas une valeur juridique en créole, puisque c'est la 48e législature qui aurait dû voter la version créole de la déclaration pour lui donner force probante en droit. Donc ça veut dire, même si on vote maintenant la déclaration en créole, d'ailleurs on ne peut plus la voter en créole, on devrait trouver la 48e législature pour le faire, parce que c'était la 48e législature qui était compétente pour voter la déclaration. Maintenant, est-ce qu'on peut déclarer nulle la déclaration parce que n'ayant pas été votée et publiée en créole? Est-ce qu'on peut déclarer la déclaration nulle à cause de cela? Pour notre part, il s'agit là d'une solution excessive. Il s'agit d'une solution excessive. Excessive pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une obligation, comme je vous ai dit, il n'y a pas une obligation qui est inscrite dans la Constitution, qui est consacrée dans la pratique parlementaire en Haïti, de voter les lois en créole également. Alors maintenant, si le corps législatif vote donc la déclaration, la version française de la déclaration, alors qu'il n'y a pas de version créole, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, juridiquement, ce qui va arriver, si on vote la déclaration en français, alors qu'il n'y a pas de contrepartie en créole, tenez-vous bien ce que je vais vous dire là. Ce qui va arriver, c'est que la déclaration française
aura toute sa valeur juridique comme constitution d'Haïti avec les amendements qui sont votés en français. Donc la version française sera la nouvelle constitution d'Haïti. Qu'est-ce qui arrive à la version créole? Eh bien, la version créole restera en vigueur dans toutes les parties qui ne sont pas concernées par les changements qui sont portés en français. La conférence là, il y a un but spécifique, c'est pour permettre ces barreaux d'informer l'opinion sous déclaration et d'amendement que ils soumettent à la législature actuelle. Donc, barreaux ont voulu fixer certains points. Et c'est pour que ça l'imande quatre la meilleure constitutionnaliste lio pour yo exprimer ses points de vue yo, pour yo analyser ses déclarations, ses amendements, ouais points forts li et faiblesses li, de façon à ce que Barouan cap fait au document conséquent pour l'y déposer dans le Parlement. Maintenant, combien de temps document ça l'a prêt pour nous déposer dans le Parlement? La presse est jeudi hein, ou demain matin, parce que le travail est en fin de fête. Et c'est restitution, c'est travail en cap fête là. Maintenant, qu'à ça, est-ce que l'amendement constitution est possible avec la 49e législature ça? Oui, il est possible. C'est une déclaration, c'est d'amendement. C'est ça dépend et ça l'a fait avec lui. Mais nous connaissons, et pour gagner un amendement, il doit gagner au moins deux législatures. Est-ce que ça a déjà fait? Oui, où législature fait déclaration, c'est d'amendement. C'est législature ça a penché sous déclaration, c'est d'amendement, et pour l'ouest, il a adopté, rejeté ou modifié. Nous-mêmes, c'est double nationalité. Hein. C'est pour nous, il fait chemin, c'est déjà. Mais comme il y a un article qui lance ses déclarations, ses amendements, nous attirer attention ces législateurs, c'est sur le fait que l'article ça, il y a des imprécisions et des erreurs, c'est là-dedans. Tant que mettre dans les gens, ils sont montrés que il y a des exigences qui faites pour mon premier ministre. Il y a des exigences qui pas faites pour ce premier ministre et il y a des exigences faites pour les députés ou sénateurs. Qui limite au tas de gains, par exemple? Oui, oui, et qui glissait dans la déclaration de l'amendement. Dans la plupart des pays, ils ont toujours pensé que les gens qui briguaient la fonction présidence sont les gens qui n'ont jamais renoncé à la nationalité. Et l'amendement qui proposait, nous trouvait que gain ou hypocrisie c'est la dalle. Côté yo dit que moun qui répudie ces nationalités là, c'est là au tribunal haïtien, c'est pour le faire li. Alors que c'est le lab naturalisé, pas gain moun qui a demandé là le tribunal haïtien pour le renoncer à citoyenneté. En gros, toutes sortes de dit là, vous pensez quand même que l'amendement constitution est possible? L'impossible et nous n'avons pas tiré attention ces parlementaires sur certains points que vous devez être très vigilants pour ne pas passer la version que vous avez gardée de déclaration d'amendement.